Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat François Fagi Ben Hana, Janine Ruth Ben Bat Fortuna Mazel Fritna et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous ayons la série de Jinder Kadef Mishnah Tet, Kol Mitzvah, Shehit Luya Ba Aretz, et la Noget Ela Ba Aretz, Vishenat Luya Ba Aretz, Noget Ben Ba Aretz, Ben Nochutzal Aretz, Kurz Mina Orla, Vakil Aim, Abeliezer Omer, Af Mine Chadash. Pour rappel un petit peu de ce qui se passe dans les dernières Mishnayot, depuis maintenant 3 Mishnayot en arrière à peu près, après qu'on a parlé des Kinyanim, de toutes sortes de Kinyanim pour toutes choses qu'on acquiert dans la Torah, et qu'on a comparé le Reshut Agavoa avec le Reshut Eliot, je vous rappelle juste comment est-ce qu'on sanctifie les choses par rapport au fait, comment est-ce qu'on fait acquérir les choses à son ami, la différence entre Ben Adam Alamakom et Ben Chavero. Du coup, on est rentré après, de manière pas tellement claire pourquoi, mais en tout cas, comme ça c'était. On s'est mis à parler des mitzvot qui incombent aux hommes, des mitzvot qui incombent aux femmes. Et ensuite, on a parlé, dans l'émission précédente, on en a encore sur ce même sujet, avec des exemples par rapport aux mitzvot qui incombent aux hommes ou aux femmes lorsqu'on apporte des korbanot dans tout le famille d'Ash. Et à présent, dans notre Mishnah, on va comparer maintenant les mitzvot qui sont en vigueur lorsqu'on est en Israël ou à l'étranger. Parce qu'il y a en deux mots, je vous le dis tout de suite, comme ça après ça ira plus vite, toutes les mitzvot que la Torah a prescrites, bien sûr, on doit les accomplir en Israël comme en Kutzlaret, c'est aucun doute. Mais il y a certaines mitzvot particulières qui sont relatives à la terre. Et là, pour la plupart de ces mitzvot, ce qui est relatif à la terre, eh bien, c'est en vigueur qu'en Israël et pas en Kutzlaret. Par exemple, la Shvi'it, la Shemitah par exemple. Eh bien, pas de Shemitah en Kutzlaret, à l'étranger. Il y a juste en Israël, il y a la Shemitah, d'accord? À la différence de la Shemitah Ksafim, l'annulation des dettes à la fin de l'année de la Shemitah, que là, cette fois-ci, c'est plus lié à la terre. Alors, c'est un combo aux hommes. Dans ce cas-là, c'est un combo aux hommes, même lorsqu'ils sont à l'étranger, ils ont encore ce devoir d'annuler les dettes de la Shemitah, avant la fin de la Shemitah. D'accord? C'est clair? Ce qu'on va voir dans notre Mishnah, c'est qu'il y a deux mitzvot particulières, ou plutôt même une troisième, qu'apparemment elles sont en rapport, elles sont relatives à la terre, mais en réalité elles sont en vigueur même en Kutzlaretz. D'accord? Cette fois-ci de la Mishnah, ça va être vite. Kol mitzvah shehi teluya ba'aretz. Toute mitzvah qui est, comment dire, dépendante de la terre, qui incombe, qui est en vigueur par rapport à la terre. Le fait de laisser toutes les sortes de, toutes les dons à faire, les donations à faire, les Ketchihapea, donner les Okoanim, la Shemitah, comme ce qu'on a évoqué. Eh bien, quand le Mitzvah Shehit Luya Ba'aretz, toute Mitzvah qui est en rapport avec la terre elle-même, eh bien, Ena Noeget Ela Ba'aretz, elle n'est en vigueur que en Eretz Israël, pas à l'étranger. Par contre, ce qui est Veshe Ena Tluya Ba'aretz, mais ce qui n'incombe pas à la terre, c'est un combo aux hommes, mais pas à la terre. La manière de labourer, Béchor Vachamor Yachdav, un interdit de labourer avec un taureau et un âne en même temps. C'est un combat à la terre, c'est un combat. Toi, comment est-ce que tu dois labourer, tu n'as pas le droit de le faire. Dans ce cas-là, Noeget Ben Baaretz, Ben Bechutzal Haaretz. Dans ce cas-là, ce sera en vigueur, en Israël, comme à l'extérieur d'Israël. Ok? Chutz a une exception. Deux exceptions plutôt. Chutz Mina Orla, Vakil Aïm, à l'exception de la Orla, le fait de ne pas. La Orla, c'est lorsqu'on plante un arbre, que pendant 3 ans on n'a pas le droit de manger de ses fruits. C'est en vigueur en Chutz Laaretz, figurez-vous. Vakil Aïm, mais aussi le fait de mélanger les espèces, essentiellement, particulièrement, lorsqu'on va mélanger des espèces de légumes avec des arbres. On va planter des légumes, et puis à côté, des légumes de manière générale. Les interdits qu'il a, on aura l'occasion, parce qu'on n'a jamais entendu arriver, puisqu'on finit très bientôt Masechet Kiddushin. À la fin de Masechet Kiddushin, on va probablement, très probablement commencer le Seder Zraïm. La deuxième Masechet de Zraïm, ce sera Kilaïm. Troisième plutôt, je dirais. Et plus Kilaïm. Et d'accord. Donc on a maintenant que. Et on apprendra que le Kilaïm, les croisements, c'est particulièrement violent avec les légumes. Pour les arbres, en général, il n'y a presque pas de restriction sur la manière de planter les arbres. Il y a juste ne pas planter un dans l'autre, on en a l'occasion de découvrir. Mais pour les légumes, c'est très complexe. Ok?
Il y a maintenant, il faut savoir que ces deux mitzvot-là, de Orla et de Kilaïm, pendant 3 ans, de ne pas manger les fruits, on vient de planter de la Orla, et des Kilaïm aussi, ne pas planter des espèces l'une à côté de l'autre, sont en vigueur même en Chutz La'aretz, mais que Midrabanan ou Midivrei Sofrim. Il y avait à Orla, Orla c'est plutôt une halakha de Moshe Sinaï, et à Kilaïm c'est une sur Midrabanan. Il y a quelques coulottes. Ça se trouve cette fois-ci, c'est beaucoup plus tard. C'est dans la fin de Massechet Orla, justement. Le dernier mot de la Massechet Orla, c'est le Chadash Asur Min HaTorah Bechol Makom, à Orla Alakha, et Kilaïm Dibur Sefrim. C'est les trois interdits, que ce sont des interdits soit de Alakha de Moshe Sinaï, soit des interdits de Midrabanan. Il y a plusieurs coulottes qui sont proposées sur la Orla et sur le Kilaïm. On n'a pas besoin, lorsqu'on va acheter des fruits en fait, on n'a pas besoin de se soucier est-ce que c'est de la Orla ou ce que c'est de Kilaïm. D'accord? Mais lorsqu'on plante, on doit faire attention de ne pas planter parce que c'est en vigueur même en Chutz La'aretz, c'est Midrabanan ou Midivrei Sofrim. Ou Alakha de Moshe Sinaï. D'accord? Et sur ça, on a Rabbi Eliezer Omer, Af Mina Chadash, même le Chadash, l'interdit de Chadash. Vous savez ce qu'est l'interdit de Chadash? Vous savez que l'interdit de Chadash est en vigueur même en Chutz La'aretz. Et ça, l'Alakha est obtenu comme Rabbi Eliezer, c'est interdit Mina Torah. J'explique donc c'est quoi l'interdit de Hadash, c'est très simple. Là maintenant, on a eu, pendant Pessah, on a commencé à compter le compte du Homer. À l'époque du Homer, le premier jour du Homer, on a porté un korban, qui était la minchata Homer, d'orge, et puis, dès lors, toutes les nouvelles récoltes, elles étaient permises à la consommation. C'est-à-dire, là maintenant, imaginez, on a fini maintenant Pessah, je vais planter prochainement du blé. Ce blé-là, il va s'implanter, il va pousser. Lorsqu'il va pousser, je n'aurai pas le droit de consommer ses grains. Vous savez jusqu'à quand? Jusqu'à Omer prochain. Jusqu'à l'année prochaine, à Pessah, il y aura le deuxième jour de Pessah. À la fin du deuxième jour de Pessah, il y aura le Omer. J'aurai enfin le droit de consommer la nouvelle récolte du blé, ou de l'orge, ou des 5 céréales qui vont pousser. Pour toute céréale qui pousse, il faut nécessairement que passe dessus qu'il y ait eu un Pessah qui soit passé concrètement. Pas Pessah, le deuxième jour de Pessah, c'est pas grave. Pour donner Pessah qui soit passé. Maintenant, c'est pas la peine d'avoir cueilli le blé, ça suffit qu'il ait même été planté même 5 jours avant Pessah. Dès qu'il a été planté quelques jours avant, il a déjà commencé à être mishtaresh, il a commencé à s'implanter, à s'enraciner dans la terre. Dès lors, Pessah arrive, le Homer arrive et va permettre cette récolte. Le seul interdit, ça ne concerne que le blé qui est planté après Pessah. En général, il faut savoir qu'on est relativement pas tellement confronté à ces situations-là, parce qu'en général, la période du blé, c'est justement on le plante depuis l'hiver, fin de l'hiver, et on le récolte dans les prochains jours, donc il a eu le Pessah qui est passé dessus. Mais on est confronté à ça dans quelques endroits, et quelques endroits, essentiellement dans l'hémisphère sud, où toutes les saisons sont toutes inversées. Donc justement, on plante après Pessah, parce que ça va commencer l'hiver chez eux un peu. Et l'été, ça va être le gros hiver chez eux. Et après, il va y avoir, à la fin de... D'accord? On va avoir, au milieu de l'année, ils vont se retrouver maintenant à avoir du blé qu'ils ne pourront pas consommer. Il y avait encore une situation, c'était fréquent aussi, ils en parlaient, je ne sais pas pourquoi, en Russie, il y avait à l'époque, ça faisait beaucoup de découvrimes sur ça de Halakha, qu'il y avait des endroits où il y avait le blé poussé plusieurs fois dans l'année. Et dans ce cas-là, on sera effectivement confronté à cet interdit de Hadash. Toute la nouvelle récolte, on ne pourra pas la consommer jusqu'à qu'il y ait un Pessah qui passe dessus une fois. Okay? Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de bonnes